presque envie de vous dire que tout va changer sur le front des plastiques à usage unique, mais beaucoup de choses vont changer. Toute une série de produits vont être interdits. Ces fameux plastiques à usage unique dont on a tant parlé quand on a travaillé sur cette directive européenne, à savoir bien évidemment les pailles. On a beaucoup parlé des pailles qui seront interdites. On ne pourra plus les produire, on ne pourra plus les acheter, on ne pourra plus les exporter, on ne pourra plus les importer. Il n'y en aura plus, normalement. Il y a une petite période de latence pour vider les stocks qui sera autorisée pendant 12 mois, mais ces produits seront indisponibles. Tout ce qui est couvert en plastique, les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les fameuses touillettes à café, les mélangeurs, les sticks pour ballons baudruche aussi, les cotons-tiges, et puis ces fameux sacs en plastique oxodégradables, un mot un petit peu compliqué, simplement pour dire qu'ils n'ont de dégradable que le nom. Ça fait une espèce de soupe de slime dans l'océan qui est toxique, comme la dégradation des plastiques à usage unique, et aussi les contenants pour alimentation et pour boissons en polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est cette sorte de frigolite légère, beaucoup utilisée dans les fast-food. Tout sera interdit en Europe à partir du 3 juillet. C'est évidemment, je dirais, le vecteur principal de nos réflexions, c'est de ne pas procéder à des interdictions sans proposer, sans qu'il y ait une alternative accessible, disponible et surtout pas trop chère. Pourquoi le mug? Parce que la meilleure alternative au plastique aujourd'hui, qui est en train d'exploser un peu partout dans le monde, est bien au-delà de l'Europe. L'Europe n'est pas de loin la principale productrice de plastique. La principale alternative, c'est de ne pas l'utiliser, ce plastique à usage unique. Ça, c'est du bambou, c'est les fameux couverts en bambou, mais il y a des tas d'alternatives possibles. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est les alternatives aux produits que l'on a interdit, il y a tout le reste qui sont en fait les principaux objets polluants en plastique à usage unique retrouvés sur nos plages, à savoir les bouteilles, à savoir les mégots de cigarettes, le tabac pollue énormément, d'abord les poumons des fumeurs malheureusement, mais aussi nos océans, et que là effectivement on a toute une série d'autres mesures qui sont des objectifs de diminution de la consommation. Moi, je rêve d'un consensus à l'échelle de la planète pour avoir de vrais résultats, pour vous répondre tout de suite. Mais moi, j'espère et je pense qu'en Europe et sur les plages européennes, tout en sachant que ce brassage de pollution, malheureusement, il se fait à l'échelle de la planète, on aura des résultats très, très rapidement. Et que la prochaine fois qu'on fera des comptages d'objets polluants, ces fameux objets polluants, notamment ceux qu'on interdit aujourd'hui, eh bien, on pourra constater une diminution, effectivement, de tous les objets.